Que Dieu vous bénisse d'être venu. Je suis sûr que votre présence a un but en ces lieux. Je suis sûr que tu ne sortiras pas tel que tu es entré en ces lieux. Parce qu'il est écrit dans la Bible, je n'ai jamais vu un homme rencontrer le Seigneur et demeurer tel qu'il est. Toutes les personnes qui se sont présentées devant Dieu, ils ont trouvé la réponse à Exode chapitre 2. Nous pouvons commencer par les premiers versets. Je vais lire et tu vas interpréter par la même chose. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte. Mokumba, elle enfanta un fils. Abotimwana, elle vit qu'il était bon. Abona kiazaki kitoko, il le cacha pendant 3 mois. Abomba kie na sanza misato, ne pouvant plus le cacher. Akokangisu kobomba yete, elle prit une caisse de jonc. Alukaki ntela moko ya jonc. Elle enduisit de bitume et de poids. Atia kibiloko lokwa goudron akalui. Et les déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Je vais prendre le verset 6. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre thème, ça va être la caisse des jonc. Nous parlerons ce dimanche. Nous continuerons le dimanche prochain. Et le dimanche 10, nous allons finir avec une grande journée de dimanche. Et avec un agapé. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Nous allons passer des moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Et je suis sûr que le Seigneur vous fera beaucoup du bien. La Bible dit ceci. Lorsque Israël se retrouve en Égypte, il commençait à devenir de plus en plus nombreux. Parce que la Bible dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Israël est dans un territoire, multiplie et devient de plus en plus puissant. Il dit, ce peuple devient de plus en plus puissant. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu es un enfant de Dieu et que tu te retrouves en Égypte, quand tu te multiplies, le diable a peur. Est-ce que vous me suivez? Ta présence en Égypte fait en sorte que Pharaon a peur. Et Pharaon a peur. Mais qu'est-ce qui a fait peur à Pharaon? C'est le fait que tu te multiplies. Je voudrais dire à quelqu'un, l'enfant de Dieu n'est pas appelé à rester stationnaire. L'enfant de Dieu n'est pas appelé à rester pauvre. Il a l'obligation de s'étendre. Il doit devenir de plus en plus. C'est pourquoi David pouvait dire, Éternel mon Dieu, étends les limites de ma contrée. Qu'est-ce que l'Éternel te fasse avancer? Quand tu es un enfant de Dieu, Dieu ne peut pas te laisser dans la pauvreté. Il ne peut pas te laisser dans la souffrance. La présence dans le monde doit faire peur à Pharaon. Et Pharaon avait peur. Pharaon avait peur.
fois touché une écriture de la révélation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le livre de Genèse, que chaque espèce se multiplie selon sa race. Amen. Chaque espèce et doit se multiplier selon sa race. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois te multiplier en tant qu'enfant de Dieu. Tout ce que tu fais, selon la volonté. C'est pourquoi la Bible dit la multiplication d'Israël pour Pharaon. Il a trouvé qu'il devenait puissant. Bien-aimés frères, quand tu es un fils de Dieu, le diable doit trembler ta sœur. La présence doit faire trembler les cadres. Parce que selon la Bible, Pharaon tremblait. Même quand tu n'as pas d'armes, toi-même, tu es une bombe atomique. Est-ce que vous voyez? Tu ne peux pas trembler devant la maladie. Tu ne peux pas trembler devant les problèmes. Pas devant les difficultés. Si tu connais avec qui tu es, est-ce que vous me suivez? Tu peux dormir avec un sorcier sur le même lit. Mais comme toi, tu as Dieu, il sortira de son corps. Il va chercher à te voir. Il va te trouver. Il se posera la question. Est-ce qu'il a vraiment dormi avec toi? Mangez la confession. Si ta femme est sorcière, c'est elle qui va fuir. Je ne fuirai pas. Je vais l'aimer davantage. Je vais même pas la chasser. Avec sa sorcellerie. Mais quand je maîtrise ce qui est la fin de l'éternité. Un homme s'est levé et il était en train de défier l'armée de Alors David doit se présenter dans les champs de combat. Il pose la question. Qui est cet homme? Une circonstance. Il est en train de défier l'armée. Si on me suit, ne te fâche pas. Si on suit tes enfants, ne te fâche pas. Si on suit tes enfants, ne te fâche pas. Nous fâchons. Quand tu insultes l'éternel, quand Dieu, nous allons nous tenir. David pose la question. Mais qui est cette question? Les frères de David vont dire, voici un homme. J'ai compris. Il dit Goliath. D'abord, c'est Goliath qui a regardé. Regardez-moi ces petits.
Il vient devant moi. Est-ce que vous me suivez? Au regard de Goliath, il n'y a plus rien de vous. Nous avons compris, frère. La victoire n'est pas dans les muscles. La victoire, ce n'est pas dans les pompages. La victoire, ce n'est pas en criant. Non, la victoire n'est pas là. Goliath dit, regarde-moi cette femme. Aujourd'hui, Lelo. Je te donnerai un pâtirage. Écoutez ce que David dit. Tu viens devant moi avec des chavignons de l'âme. L'armée de l'éternel. Ce n'est pas une question des armes. Et non, ce n'est pas Satan 1, Satan 2. Et là, Satan, il y a du bossé de l'Ibale. Le combat de l'éternel. Et David a répondu. David a répondu. Moi, cependant. David avait des pieds. Et Goliath avait vu des pieds. Goliath quand David répond, il ne dit pas que j'ai des pieds. David dit ceci. Tu viens devant moi. Oui, avec des javelots. Avec des javelots. Mais moi, je viens devant toi. Au nom de l'Éternel. J'ai compris. Dans ce sens, il y a 5 pieds. C'est un nom. Et ça dit combo. Est-ce que vous me suivez? Le Seigneur Pierre. C'est un nom. C'est pourquoi Jésus a dit. Tout ce que vous demandez. Oh, mon nom. Je vous l'ai dit. Tout ce que vous demandez. Je vous l'ai dit. 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 Tu ne peux pas vaincre les gens. Je voudrais mettre un point. Pour dire ceci. Une parole sale à révélation. N'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu doit cacher la révélation. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire de roi, c'est de révéler ce qui est caché. Dieu que nous prêchons, c'est de cacher les choses. Maintenant, le prédicateur doit faire sortir ce qui est caché. C'est pourquoi Nayango, Samson avait raison de dire. Samson Zakina a raison qu'on l'a volé. Est-ce que vous me suivez? Alors, Pharaon va décider. Comme il devient de plus en plus nombreux. Je veux que tu me suives avec beaucoup d'attention. Je veux dire beaucoup de choses. Pharaon dit ceci. Vous allez tuer tous les garçons. Vous laisserez les filles. J'étais en train de me poser la question. Pourquoi Pharaon? A voulu que les garçons soient tués. Et pas les filles. Je Dieu vous bénisse. Amen. Je sais qu'il y a des femmes fortes ici. Il y a des femmes intelligentes ici. Il y a des femmes qui prospèrent ici. Je n'ai pas, je ne suis pas contre ces gens. Mais je suis ici en train de prêcher l'évangile. Et l'évangile, nous allons les prêcher sans compromis. De côté évangile, tu as compromis la côté. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pourquoi on doit tuer les garçons? Parce que Pharaon s'est fait. Il peut y avoir la victoire. Si s'il ne peut venir que d'un homme. Donc en tuant les enfants, il voulait empêcher les conquérants de sortir. Et
Est-ce que vous me suivez? Amen. Pourquoi? Bon, nini. Parce que dans la vie, na bon, moi, c'est lui qui porte la semence. Oh, mais ma cam- on a, c'est un homme. En notre terme, c'est l'homme qui fait qu'il y ait progéniture. Ah, mon bali muta sala ka ete kofulu ka iya. C'est-à-dire c'est l'homme qui est porteur de la semence. Yé muta mema kankona. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand la Bible dit, Bible lobi. Ta parole, malo manayo. Et tu le sais. Ezali bongo kona. C'est pourquoi la Bible. Yamo bakana tamba lobi. Jésus dit à ses disciples. Yesu alobi na baye ko. Quand vous priez. Tango boko sambela ka. Vous allez dire. Boko loba. Notre Dieu, notre Père. Yahweh tata na biso. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il n'a pas dit Dieu notre mère. Alors, vite, Yahweh, maman, la biso. Il dit Dieu notre père. Yahweh tata na biso. Il savait pourquoi. Aïe, qui prend la ligne. Parce que c'est l'homme qui est porteur de la semence. C'est mon bali nemo ta tombo la katabra la nkona. C'est pourquoi quand Jésus naît. Tamo yesa botami. Il ne pouvait pas naître comme une femme. Aïe, n'a pas botama la kola moi cité. Aujourd'hui. Lélo. Pourquoi quoi t'appelles dans ma bica? Pourquoi ben moi c'est ma casse? Tu me tapes aussi, je tombe. Mais t'inga ben la koi. Ce n'est pas grave. Et ça, non, non, problème. Mais dans la Bible, c'est l'homme qui est le chef. Mon mari ne m'a pas encore joué. Amen, amen. Donc, toute femme, moi, Seigneur, qui a tendance à prendre l'autorité. Il faut savoir que c'était un mauvais esprit. Ça, madame, et cet esprit-là va faire manquer la paix. Qui n'est pas comme ça, madame Dako. Est-ce que vous me suivez? Il ordonne qu'on tue tous les garçons. On va commencer à tuer tous les garçons. Écoutez-moi maintenant. Parce que je vais vibrer tout de suite là. Écoutez ce que la Bible dit. Nous étions en Égypte. Et il dit tuer tous les garçons. Laissez les filles vivre. Quand vous remontez Exode chapitre 1. Vous allez voir la Bible ici. C'est comment la Bible dit. Que tous ceux qu'on tuait. On les jetait dans le feu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais répéter ça clairement. Ah. Tous les garçons qu'on tuait, et les on devait les jeter dans le fleuve. Et c'est que cela veut dire ceci. Le fleuve avalait tout le monde qui descend. Le fleuve qui avale là. C'est le séjour de mon. Ah, des sika ya kunda. C'est la seule personne. On l'a mis sur l'eau. On l'a mis sur l'eau. J'ai toujours dit la prédication. C'est la danse des tango. Danse des tango. Si tu n'as jamais fait la vie, tu comprendras. L'évangile, frère. C'est la danse des tango. Ce n'est pas Jaspile. C'est l'homme. Moi, si. L'homme. Qui quittera son père. Qui s'attache à sa femme. Et les deux fois. Est-ce que vous me suivez? Amen. Là-bas. Kuna. Pour témoigner que Moïse. Pour témoigner que Moïse. Il est l'ombre de Christ. Azali, il est le jour où Jésus naît. Mon corps est sur votre tête. On est formé, Hérode. Hérode. Et un roi vient. Et mon corps est sur votre tête. Écoutez ce que vous dites. Hérode. Tu veux tous les garçons. Hérode va répéter. Hérode va confirmer.
Bible dit. Bible le dit. Personne ne peut consoler Rachel. Et mouvement d'ailleurs qu'on consolait hier. Parce que Rachel. Quand elle est là, Kelly. Il pleurait ses enfants. Avant d'écouler la manne. Les enfants de Rachel. Avant la Kelly. Sont morts. La Koufaki. On avait dit. La Balobaki. Tu as tous les enfants. Comme maman a nié. Donc Jésus va vivre. Yes, à Komika. Les enfants de Rachel. Mais avant la Kelly va Koufa. Va Koufa. Rachel va pleurer. Et la Kelly a collé là. Attention. Attention. Rachel que j'ai parlé. Ce n'est pas la femme de Jacob. Mais moi c'est Jacob. Là que ah, j'ai compris. La sorcellerie. Les enfants de Rachel. Que Rachel pleurait. Oh, c'était le prophète. Ah, le quoi prophète. Parce que la Bible dit. Bible le dit. Toi Israël. Yo Israël. Toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. Yo, on a bon mabas, ça va team de l'Io. Tous ceux qui sont morts avant Jésus. Bah, oh, à Koufa, il va se yamore. Présentez les sacerdotes. Bah, d'accord, mais les sacerdotes. Est-ce que vous voyez? Amen. Mais Moïse, lui. Monseyer. Non, 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 ça peut être dit. Je vais dire les choses. Non, mais non, Moïse, ça m'a dit. Maman, si je mets Moïse sur l'eau, ce qui n'a tellement c'est le colon à maille, il va être englouti. Va comme elle est, oui. Pour éviter que l'enfant ne soit englouti, et pour témoigner en bas, mais là, je dois le mettre dans une caisse. C'est la caisse des gens. Et quelle avant les gens? Cette chose cache la pensée des créatures. Et quelle avant les amis que bomba, 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 bien zambé. Écoutez-moi, attendez. Yo, quand il a été mignon, en d'autres termes, non, le mot sous jusqu'à là. Moïse était d'abord caché dans la maison. Mose a bomba maki dans la maison. Nakat c'est ce que la Bible dit. Oui, d'abord. On cacha Moïse pendant 3 ans. La bomba sans amis à Nandako. C'est-à-dire avant de sortir. Yamba Biba. Moïse était d'abord caché. Azagina bomba Nandako. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ah, oui. Oh, Moïse est très caché. Comment maman Mose Nandako? C'est Dieu dans l'éternité. Les amis Yahweh na éternité. Parce que au temps de l'éternité. Na tambo éternité. C'est caché. Est-ce que vous me suivez? Oui. Mais le problème c'est que il doit sortir de la maison. Ceci est très important. Oh, s'il doit sortir de la maison, il ne peut pas sortir comme éternel. Il ne peut pas sortir comme éternel. Parce que la Bible dit, aucun homme ne peut voir Dieu. Si Dieu sont comme l'éternel, personne d'entre nous ne va le faire. Parce que notre corps porte les péchés. Notre corps porte l'iniquité. Est-ce que vous me suivez? Amen. J'explique les enfants qui sont morts. C'est ce qu'Hébreu dit. Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. C'est-à-dire que tous les sacrifices et sacrifice de l'Ancien Testament n'ont pas calmé Dieu. Et les livres continuent. Les livres continuent. Voici, dans la Sigawa, tu m'as fait un corps. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire dans l'éternité. Je n'avais pas de corps. Parce que Dieu dans l'éternité. On peut réfléchir à ça. C'est quoi l'éternité? Donc ton esprit n'est pas comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, pour ce qui doit sortir. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit se faire. Parce qu'en se faisant un corps. Ce a dit autre terme. Je viens de se cacher dans cette chose. Ah, j'aime ces choses. Vous avez compris. Les parents de Moïse étaient en train de prophétiser. Ça va venir de Jésus. Ah, il faisait la caisse des gens. En réalité, il faisait la caisse des gens. Pour Moïse, pour lui permettre de sortir.
bima. Vous me suivez? Amen. C'est pourquoi la Bible dit. Yango boka na zambe le dit. Vas-y Mose. Vas-y na gata tela. Tela wala. Tela. Et le corps de Moïse. Et zaki nzoto na Mose. Lui-même Moïse. Yango boka Mose. Et bien avec Dieu. Na kati. Amen. Jésus. Yes. Il regarde Philippe. Attali Philippe. 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 Parce que Jésus parlait beaucoup. Yes, va dans le babi. Parlez trop. À un moment donné, Philippe est fatigué. Philippe a l'embarqué. Il vient voir Jésus. Aïe, au tala, yes. Il dit. Alobi. Écoutez, on est fatigué. Tolébi. Montre-nous le Père. L'acceptation de Tata. Cela nous suffit. On l'acceptation de Tata. Et c'est lui, d'abord. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Amen. Philippe a dit. Alobi. Tout ça, tu parles. T'as voulu sauver le gars, Tata, Nanga, Tata, Nanga, Tata, Nanga. L'acceptation. Montrez-nous le Père. Tatawana. C'est là, monsieur. Et ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit. C'est toi. Yo. Tu connaissais Moïse. Qui avant de venir sur moi, il y a moyen que ce corps-là, c'est qui qu'est-ce qu'il y a? Quel âge? On va voir tout le monde. Tu allais comprendre. On va voir cela. Quel est le Père? Le Père est la gagne. Est-ce que vous me suivez? Jésus l'a dit. Yes, ça aussi va. Il m'a vu. Oh, yo, Moninga. Pourquoi? Parce que le Père est à moi. Tata, ça Dieu, Yahweh, sorti, avant l'Iba, il s'est fait, et c'est il y a ça la maison, c'est ça la caisse, la montée là, il y a Jean, là où Moïse, et si la mort, ça bombe à ma vie, je te dis, toi qui refuses la révélation, il va aller en enfer, et on va créer dans l'Ife, ce qui est révélation, ça fait, et on va se sauver le côté, Bible et lobby, quand on vit Moïse, là où la tchèque Moïse, la gâte est là, enferma. Vous voyez, il vient dans le monde. Donc pour aller voir Moïse, pour mon amorce, il faut ouvrir la question. C'est que là, il faut ouvrir la question. Oui, oui, oui. Cimetière. Si tu n'ouvres, j'aime ce frère, j'aime ce frère. Si tu n'ouvres pas la question, sans qu'on fasse la tête, tu entendras seulement la femme qui. Regarde la dame, moi, la zone est là. Mais tu ne verras pas. Donc, comment on était? Amen. Tu peux écouter les sons. Donc on y va pour aller là, Nani. Comme l'évangile. Donc on l'évangile. Jésus est bon. Et ça, madame, mon. À ça, la gagne au son. À lui, ça, oui, il son caca. Mais pour ouvrir. Et c'est que le fou, on l'a ouvert. Amen. Le Dieu que nous prions. La mort de l'estomac de la casse. Il se cache dans les mains. Bon, maman, on va s'égaler. Il ne peut pas sortir. Ah, on y va, quand il va, il va, il va. C'est que ça m'a regarde. J'aime ces choses. Amen. Même Noé. Attends, Noé. Ah, c'est sur la terre. Noé dit je dois sortir. C'est que la Bible. Dans le monde. Dans mon kili. Parce que là, oui. Bon. C'est le monde. Mon kili, oui. Noé dit. Noé dit. Si je sors comme ça. C'est que la Bible. Avec la pluie. Dans mon kili. Le monde. Mon kili. Je vais me noyer. Nakodinda. Pour que je ne puisse pas me noyer. On a dinda, je dois me faire un coup. Et c'est la salade. Est-ce que vous suivez? Il ne peut pas chanter des choses. C'est très profond. Tu ne comprends pas. Éviter de se solliciter. Lâche, lâche. Quelle la wana? C'est la caisse des gens. Eh, yangoka ya Moïse. Noé qui rentre dans l'arche. Noé à côté dans l'arche. C'est Dieu dans un corps. Nzambe kati aminaka dans tout. Ça va lui permettre de rester sur le fleuve avant d'en amas, il y a des pas de descendre. Et peut-être qu'il y a la 7 et qu'on ne voudrait pas. Il y a la Lomelosikawa. Si tu ne veux pas être noyé, sans doute dans l'équipe d'Indate, tu ne veux pas que le monde t'entende. Tu ne veux pas que les choses du monde t'entende. Il faut être rassuré. Alléluia. Et c'est que l'on se sent être dans ta parole. Et c'est que l'on se sent être dans ta parole. Comment tu as séparé les eaux? Bah ouais.
Il n'y a plus de vie privée. Vie privée, ça te dit.
si tu veux la vie privée, so, reste dehors. Tika, mais si tu viens dans l'assemblée, so, ta vie privée, oh, vie privée la vie publique. Nous allons vérifier. Donc, vérifier. Qu'est-ce que tu fais? Et tu as commis. Et nino, si tu ne veux pas, mais tu peux partir. Tika, Dieu n'est pas dans la majorité. Mais tu es seul. Et tu as Dieu. On ne peut pas compromettre l'évangile. On ne peut pas compromettre l'évangile. Il y a un autre gens. Il y a un autre gens. Nous allons accepter. Parce que nous cherchons les enfants. Et on a tiré ma frère dans ma côté. Et il y a un autre. Il n'est pas d'accord avec. Yes, ça va se faire dans ma côté. Il va regarder. Attali va d'ici. C'est pas qu'on fout sa papa. Quel nombre? Dis donc. Beaucoup comme ça pour moi. Parce qu'ils savaient. Ah, qui? Que ces gens ici. Bateau. Ils ne viennent pas pour la femme. Ah, yeah, bon, si vous ne mangez pas ma chambre. Vous n'avez pas répété. Vous n'avez pas répété. Jésus, on t'aime beaucoup. Ah, comme toi, tu veux faire de lui des cannibales. Mais quoi, il va s'en sortir. Mais il va m'abobiner. Bateau. Quel est-il là? Tika, tika, là. Jésus. Yes. J'aime l'église de Jésus. Yeah, yes. Vous savez, quand tu as la foi, là, on n'a pas peur. On n'a pas peur. J'ai profité de l'occasion pour vous dire que l'apôtre Franck vous a salué. Amen. L'apôtre Franck vous a salué. Amen. Nous sommes en train de rechercher la paix. Maintenant, nous allons continuer. C'est nous qui recherchons la paix. Nous allons continuer. Je n'ai pas dit qu'il va revenir, ce n'est pas. Je n'ai pas pour aller dire ce que je n'ai pas dit. Quand vous le voyez, il faut le saluer. Amen. 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 Même le papi, moi je ne fais pas le papi tous les jours. Parce que là, on a fait le papi. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Il regarde. Attends. Il dit, et vous? Dis non. Vous ne partez pas. Ok, parce qu'il voulait même chasser aussi. Pierre, prends la parole. Mets-toi la parole. Il dit, tu veux qu'on aille où? Toi qui dois. C'est toi. Il n'y a pas d'ailleurs. Qui a les paroles? Parce que Pierre a compris. Pierre a chassé la qui? Si nous nous attachons à Dieu. Ceux qui t'ont amené dans nous nous attachons pour la parole. Quand on a mis la malouba, la raison pour laquelle nous venons. Il y a continué à tuer les cigarettes. C'est pour la parole. Et pour la malouba. Écoutez maintenant. Donc, si tu veux que le monde ne puisse pas t'avaler. Donc, on si tu veux que les démons ne t'envoûtent pas la chose. Donc, on dit que les démons ne pas la chose. Tu dois la nuit comme ça. Voilà la maison fina. Ça me la bouquet. Bah qui ça va dire prière. Nous au banc là. Ceux qui poutent au banc là, au banc là. Je te connais. Il au banc là. Il a dit eh, bah dit qu'il va y avoir souci. Bah qu'on y a des soucis. Il faut avoir Dieu dans ta vie. Seigneur, tu dans ta main. Il n'y a que l'Éternel qui peut te protéger. Il a quand même ta voix pour battre la mission. C'est pourquoi. Nayango. Moïse avant de les mettre sur. Moi, c'est mon bâtir la main. On doit les mettre dans une caisse de gens. Seigneur, bâtir la main dans quelle là. Je suis descendu dans la. La doctrine. Pour te dire, tu veux que Dieu te soutienne. Marche avec Dieu. Même quand tu marcheras dans le monde, Dieu sera comme ta caisse de jambes. Il te protégera contre les démons. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais dans la révélation, c'est Moïse qui est dans la caisse. C'est Dieu qui se cache dans le monde. Est-ce que vous me suivez? Amen. J'ai beaucoup de versets. J'ai toujours aimé. Dieu parce que j'ai pas voulu. Regardez. Quand Dieu voulut créer Adam. Parce que Dieu disait. Il faut que je descende sur la terre. Mais Dieu s'est dit. Que je descende sur la terre. Le monde ne peut pas me supporter. Est-ce que vous me suivez? Il faut que je fasse une caisse de gens. La caisse de gens. C'est Adam. Et Adam. Dieu forme Adam. 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 Adam a comme un toto. Et Dieu vient souffrir. Et a fouli. Le souffrir. Et qu'on fout la wana. C'est Moïse. La mort, c'est la jonque. Quand Adam s'est promené.
C'était Dieu sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Amen. T'as donné les noms aux animaux. C'est Dieu qui donnait. Quand Dieu a créé les animaux, Adam n'était pas. Il n'y a pas de problème. La fille de Pharaon. Mais voilà la fallo. Je vais monter. Voilà la raquette. Dès qu'on mit Moïse sur feu. Tant que va tirer moi, c'est l'école dans l'ébalé. La fille de Pharaon descend. Moi, c'est moi la fallo à quitter. La fille de Pharaon n'est pas descendue avant. À qui n'est qu'avant tes bruits. Il a attendu. À Zeraki. Que la caisse. Qui est là? Qui enferme Moïse. Le carac qui m'en sait. Soit posé sur. Et tiens, mon amour. Avant qu'elle ne descende. Yamoya quitte. Avant que tu mettes les pieds quelque part, rassure-toi d'abord que l'Éternel est là. C'est pourquoi la Bible dit, je bénirai ton départ. Je ne sais pas. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Ici, je voudrais dire, quand tu veux t'approcher de l'Éternel, il faut premièrement que tu aies écouté. Mais ton premier écoute, c'est comme si tu n'as pas bien. On dirait que mais quand tu arrives, il faut qu'on ouvre. C'est que il faut que tu comprennes. Est-ce que vous me suivez? Quand nous prêchons, la première chose, vous écoutez. Une fois que vous écoutez, Yoki, Je vais finir par une exhortation. C'est une étrangère. Azaki mon paya. On est d'accord, non? Oui, d'accord. Alors que Moïse Azaki Motoya est un juif. Donc nous comprenons que cette femme-là, la fille de Pharaon, représente l'église. Azaki représente l'église. Parce que nous sommes des étrangers. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Dieu ne nous a fait pas pris à ces choses. Paul dit ceci. Nous étions étrangers. Nous n'avions pas droit de se faire. Ces jours-là, la fille de Pharaon qui tient, nous représente les nations. Nous venons parce que nous avons et on doit ouvrir.
Fungola. Je veux dire ceci. Nanginalo baboye. Le temps où la fille de Pharaon. Tamwana Pharaon. À la caisse des gens. Anaina kena maboko na ye. Ceci représente le temps de la grâce. Et dali ko la tsatango ya grâce. C'est la grâce. Tango ngolu. Cette femme là avait. Et témoigne moi ça dans la vie. Voir le visage. Ya komone longia mose. C'est le moment que nous prêchons. Le moment où dali ko teya. C'est un moment de grâce. Ngolu. Qui te permet d'arranger ta vie avec Jésus. Et dali ko la tsatango boko sa bomo na tsana Yesu asia. Et de marcher avec Jésus. Voilà la tsatango ta mola mola. Parce que vous avez remarqué après que la fille de Pharaon est venue, la sœur de Moïse va venir pour récupérer le corps de son fils. Est-ce que vous me suivez? Amen. Remarquez. Après que la fille de Pharaon est venue, oh Moïse ici, Mose, awa, c'est Jésus qui est avec nous. Pour la fille de Pharaon. Et moi, c'est pour un peu de temps. Et pendant que vous me suivez? Amen. Un peu de temps. Tango, okay. Parce qu'après avoir contemplé, si ma gota là, la sœur de Moïse, et qui, de commence à la fille de Pharaon doit prendre. Et que nous voyons la femme de cette moine, il donne à la fille. Ah, je ne sais pas moi, la moine. Amen. La grâce n'est pas éternelle. La grâce finit. Grâce aussi là. C'est un privilège que nous. Et Zalingo nous aussi. De connaître ces dieux. Yako Banzambe wana. Contempler sa face. Yako Mone Longina ye. Je te rassure. Mais n'a pas mis ça au délo. Que. Boko. Sa sœur. Elle est décorée, la moisi. Ayako, nous sommes en train de dire. La sœur de Moïse. Qui récupère le corps. Moïse, ce sont les deux prophètes. C'est Moïse. Moïse. Et Naïli. Qui sont les deux prophètes. Ah, prophète Bibale. Qui vont prêcher à l'Israël. Bah, côté à l'Israël. Après l'enlèvement. Pour leur dire, c'est Jésus qui vous a tué. C'est lui le Messie. N'ayez pas le Messie. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est ça le retour de Moïse. Il est bon, son maman, c'est la libote à la yé. Bon, j'aime la Bible. La ligne de la Bible, hein. Parce que la sœur de Moïse. N'ayez avait compris que. À ce soir qui était. Que son frère. N'ayez ne peut pas être allaité par n'importe quel. Bah, quand il va maman est-ce que vous me suivez? Amen. Hein? Un vrai juif. Ne boit pas n'importe quel saint. Ah, mais la Bible, Amen. Toi, tu bois et c'est la Bible. Pas un juif. Moïse doit aller allaité par sa propre mère. Moïse c'est qu'il va mélisser par maman naïe mon gabotaï. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne manges pas n'importe quelle parole. La Biblia y a malobani en sortie. Tu ne peux qu'écouter la parole de ton père. Écoute, yoga ka malobaya tata na yo. Pourquoi tu vas être kushoko? Bioka yogo. Nous avons des frères et des sœurs. Ça va se. Mutu munene, mutu munene. Beaucoup de connaissances. Ayo qui va connaissance à gauche, droite, gauche, droite. Des petits pieds. Pieds. Mais si tu as une grosse tête, toi, mon toit, mon le petit pied, qu'est-ce qui arrive? Linéa. Déséquilibre. Mon toit, mon nez de ma colonne, qui est au coin. C'est pourquoi toi, tu tombes tout le temps. T'as envie de se poser. Ton ligne, oh, ligne, oh, ma tête, mais ça, 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 ça. Il est toujours dans les phrases, les corps effets, les esprits. Je voulais venir, mais. Il faut que nous papa. Nous allons nous mettre debout pour l'ennemi.